Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour une petite vidéo build construction. Et j'ai voulu me lancer un peu aveuglément dans le challenge 10 minutes build challenge, donc construire une maison en seulement 10 minutes. Et ça va être compliqué, je sais pas trop à quoi m'attendre. Alors, déjà, je vais mettre mon minuteur de mon téléphone là, comme ça. Je prépare à avoir du son parce que sinon je vais pas entendre. Donc je suis sur un tout petit terrain 20 par 15. Cette maison ici, c'est déjà un challenge que j'ai fait qui est disponible dans la galerie. Elle a une forme de fleur, c'est très très choupinou. Voilà. C'était avec le thème floral et voilà. Bon bref, elle est téléchargeable. Il y a quelques choses à changer à l'intérieur parce que c'est pas praticable sinon. Mais bon, vous verrez bien, vous changerez à votre guise. Bon, ça j'avais 30 minutes pour la faire, donc ça là, maintenant le 10 minutes build challenge, j'avoue. J'ai peut-être un début d'idée, mais je sais pas. Alors attendez. On va déjà activer le bébé.move object. Voilà. Ça au moins c'est fait, je perds pas de temps. Je pense que ce sera genre une petite starter, hein. Mais vraiment, je sais même pas sur quel truc je vais partir et tout ça. Bon, allez, dès que je clique sur début de mon chronomètre, j'ai 10 minutes pour construire cette maison. Il faudrait juste que mon écran reste allumé. Attention, c'est parti. Alors, on va prendre tout de suite les murs. Donc, j'avais dit que j'avais une petite idée, peut-être faire déjà une partie en biais. Comme ça, avec. Tac, 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 comme ça. Et. Ouais. Comme ça. Ah, mais j'aimerais prendre le petit bitonio là. Voilà. C'est un peu nawak, je sais pas trop ce que je fais. Pff, on va partir là-dessus. C'est très bien. Je vais casser tous les murs qu'il y a à l'intérieur puisqu'on va reconstruire ensuite. Tac. Tac, 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 tac. Et tac. Je pense qu'on est bien. Oh là, en plus, j'ai l'impression que ma souris, elle a pas envie de m'aider. Donc, on est prêt là-dessus. On va partir là-dessus, on va partir là-dessus. J'ai envie de faire une terrasse. Ça me vient comme ça, la petite terrasse. Terrasse qui ira jusque-là. Non, pas comme ça. Je vais faire la terrasse triangle alors dans ce cas-là, les enfants. Ça, je fais comme ça et je refais une autre triangle. Comme ça. On est plutôt pas mal. Je vais du coup rajouter des fondations. Des petites fondations comme ça, toutes mignonnes. On est bien. Partir à l'étage. Je fais l'extérieur, mais je me lance dans un truc. Clôture, clôture, clôture. Est-ce que je vais pouvoir faire ma clôture? Je sais pas. Je vais tenter. On va faire le petit truc blanc. Non, on va dessiner. Oui, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est parfait. On va faire les trucs comme ça. Si déjà ça voulait bien fonctionner sans m'emmerder. Je sais pas, j'arrive pas à voir combien de temps il me reste. Je dois pas être à beaucoup, hein. On va faire un truc, un petit quadrillage tout simple. On va pas. Franchement, je sais pas du tout dans quoi je me lance, hein. C'est vraiment. Petit quadrillage barré comme ça, c'est très mignon. Tchouk, tchouk, tchouk. Et c'est largement assez. On va prendre le marteau piqueur et on va tac 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 tac. Casser tous les trucs. Non, pas là. Je passe pas nawak. Mince, je crois que j'ai. Je sais plus. Non! Voilà, ça me stresse. Non! Tac, tac et tac. Est-ce que j'en ai oublié? Non, c'est bon. Par contre, j'ai cassé un mur. Ben oui, ça c'est bien ma veine de casser un mur. Touc. Voilà. On va de suite ajouter des petits poteaux blancs, tout simple, tout mignon, tout chou. Là, s'il vous plaît. Il veut pas. Eh ben, c'est pas grave, il sera en biais. Et je monte. Non! Mais l'enregistrement, il veut pas! Ah, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Si, alors, par contre, je vais faire un truc, c'est que ça, je vais copier, je vais le mettre ici. Par contre, je vais mettre des demi-murs. Voilà, pour faire mon toit. Mais
Punaise! Tac, 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 allez! Mais si! Toi! Voilà, et toi aussi, toi, là. Putain, mais c'est pas possible. Tac. Mais c'est quoi ça? Dégage. J'ai fait mon toit. Le revêtement extérieur, on va partir sur... ça, c'est beau, ça? J'en sais rien, on va faire un truc. Non! 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 Est-ce que ce n'est pas beau du tout? Est-ce qu'à l'intérieur on va le faire comme ça? Oui, on s'en fiche. Voilà, ça change. Je sais pas quelle couleur c'est, me le demandez pas. On va faire un sol. Voilà, très bien. Non, ça c'est moche. Voilà, on va faire ça. Je vais enlever la grille pour mieux voir. Ok, très bien. On va abandonner. On a fait l'extérieur si on veut. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ça me stresse. Ok, non. On va commencer à faire la construction. Il me reste combien de temps? 8... 5 minutes. Ah, d'accord. On va faire cette... voilà, cette porte-là. On va faire la porte ici. C'est très bien. On va changer. On va la mettre blanche. C'est très bien. On va mettre des fenêtres aussi, par contre. Ça pourrait être sympa. Tiens, on va faire les fenêtres. Magnifique. Bien sûr, ça va pas du tout... Plus les murs ils sont pas assez hauts, je suis sûre. Moi je préfère des murs plus grands, s'il vous plaît, madame. Mais punaise, tout ça parce que j'ai pas reculé de 1 demi millimètre. Oh, je vous jure. Ouais, mais non, parce que comme c'est pas... Oh, c'est pas possible. Ça, peut-être. Allez, on va faire ça comme ça. Tac, tac. C'est très très bien, madame. Tac et tac. Il y a peut-être trop de fenêtres, mais moi j'aime les fenêtres. C'est comme ça. Tac, tac. Tac, tac, non, ça c'est pas beau. Je vais bouger là. On est bien, on est comme ça. On a mis les fenêtres. Ah, faut absolument... Non mais franchement, je fais... Je suis... Je sais pas ce que je fais, je sais pas. On va reprendre le plan. Ça, donc ce sera l'entrée. On va faire une... Putain, ma souris, elle veut pas. On va faire la chambre, on va la faire comme ça, la chambre, je sais pas. On va faire ça comme ça. Voilà, hein. Oui, d'accord. Non, très bien. On va faire ça là. On va agrandir. Ce sera un peu la salle de bain ici. Voilà, c'est très bien. Et ici, ce sera le séjour. On va faire ça comme ça. Tac, tac. Ah, me stresse pas, me stresse pas. Je vais jamais y arriver. Oh putain, et 4 minutes. Une porte, une porte, une porte, une porte. On est bien. On va faire les sols. Ah oui, punaise, quand même, ça me stresse d'un coup. On va faire les sols, les sols, les sols, les sols, les sols. On va prendre celui-là. Il est parfait. Hop. Voilà. La salle de bain, carrelage, carrelage, carrelage. On va faire celui-là. On s'en fout. On va donc commencer à meubler. Hop. Salle de bain. On va prendre une douche baignoire comme j'aime. On va prendre ça. Voilà. C'est très très bien. On va mettre un pipi. Oh là. Moi je regarde pas. Hein. On va mettre le lavabo. Parfait, celui-là, on va le mettre là, comme ça. Voilà, hein. On va le même mettre ici. Voilà, et puis j'ai pas mis les lumières. J'ai pas mis les lumières, j'ai pas mis les lumières. Est-ce que tout le monde met les lumières? On va mettre les lumières. Ça. Voilà. Tac, tac. Je m'en fous, je fais ta wak. Je suis même pas sûre qu'il y ait de la place pour le lit. Oh, l'angoisse. Bon, on va passer tout de suite. On va faire un lit, bah, qu'à faire, on y va. On va utiliser les lits. Les lits. Les lits. Les lits. Deux. On va prendre celui-là. Allez, on s'en fout. Non, il n'y a pas de place pour le mettre. Le lit double, il passe pas. Et... Je vais jamais y arriver. En plus, je ne vois pas ce que je fais. La salle de bain, elle est trop grande. Putain, j'ai pas le temps de changer. Eh ben, c'est pas grave. Je suis en train de faire n'importe quoi. On va faire ça comme ça. Je suis pas du tout. Ça va pas fonctionner. Mais on s'en fout. Là, voilà. Je fais nawak. On va poser les meubles n'importe comment. On va faire là, comme ça. On va poser un petit bureau. Un bureau. Un bureau. Putain, je vais pas avoir le temps. Bureau. C'est moche. C'est moche.
un plus foncé. On va mettre une chaise. Celle-là, elle est très bien. C'est celle que je mets tout le temps. Cuisine, salon. Ah, cuisine, salon, cuisine, cuisine, salon. Cuisine, j'ai dit. Bon sang. Celui-là, c'est très bien. Je choisis même pas les couleurs. Je m'en fous. Voilà. Frigo. On va prendre celui-là. On va le mettre là. La gazinière. On va prendre celle-là. On va la mettre là. Je sais, je fais aucun effort. Mais là, je sais pas. Je sais même pas combien de temps il me reste. Allez, le petit canapé des saisons, c'est parfait. On va en mettre deux. Non, on va en mettre qu'un. On va mettre une salle à manger. Oh, oh. Ça, t'as pas meilleure tête. Si, c'est bien, on va faire ça comme ça. On va manger, on va mettre des sièges. Parfait. Ceux-là, c'est vrai que je les utilise assez souvent. On va mettre trois sièges, c'est pas grave. Ok, on n'a pas fait le papier peint. Papier peint, ça c'est très bien. Donc, on n'a pas fait le carrelage dans la salle de bain. On va faire voilà, comme ça, hop, et puis hop, hop, hop. Ah, mais hey, j'arrive pas à me diriger. Mais fuitez, oh, petit papier. Oh, oh, oh là là, on va mettre ça comme ça dans la chambre. Je sais pas, ça ressemble à rien, c'est affreux. Mais il y a tout qui est là. Hein. Il n'y a eu que la télévision. Mais la télévision, on s'en fout un petit peu, je vous le dis moi. Hop. Voilà, bon, voilà. C'est terminé. Bon petit truc, vraiment, je voilà, j'ai juste pas posé la télé parce que... Elle était, mais... J'ai... Voici ma maison. En fait, j'ai perdu vachement de temps à faire l'extérieur, mais... Ah, j'ai oublié de faire l'extérieur de... C'est pas grave. Voici ma maison de 10 minutes beach challenge. Ah, franchement, ouais, j'ai passé peut-être un peu trop de temps avec ça. C'est pas grave, je l'aime bien. Elle est sympa. On se rassure comme on peut. On va aller visiter. Ou pas, je sais pas comment on fait pour pas monter en fait. Bah oui, mais moi c'est pas comme ça que je veux. Alors, je suis pas sûre que le Sims puisse entrer dans sa maison, hein, je vous le dis direct. Puisque on a l'été, la télé qui est un peu en train de bloquer la porte d'entrée. C'est pas grave, et puis alors on a une toute petite cuisine, enfin une grande cuisine, un tout minuscule salon. Et ben oui, mais il y a de quoi faire, moi je dis, hein, quand même, hein. Soyez pas comme ça, hein. Soyez pas mauvais avec moi. J'ai même pas eu le temps de choisir la déclinaison des trucs, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, je n'arrive pas à me diriger, de toute façon, avec la caméra Sims 3. Je n'y arrive pas tout court. Ah, on va faire ça comme ça. La salle de bain, elle est vraiment le minimum syndical, mais il y a tout ce qu'il faut. La chambre, je ne suis pas sûre qu'ils arrivent à accéder. Ouais, j'aurais pu juste... Oh ouais, mais je suis nulle, j'aurais pu juste faire tac comme ça ou tac comme ça, mais c'est pas grave. En plus, je pense que comme ça, ça aurait été limite mieux, puis bon, on aurait... Voilà, si on veut, hein, allez. Moi, je retouche pas, c'est fait, c'est fait. Voilà pour ma petite vidéo. The pretty challenge, build challenge. Bon, j'aime plus l'extérieur que l'intérieur, hein, on va pas se cacher. Vraiment... Il tente de rien du tout. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je mettrai donc... Je vais la mettre tout de suite. Voilà. On va dire 10 minutes build challenge. Et je vais la partager tout... Ah, j'ai oublié d'enlever le toit. Mais écoutez, hein, c'est une première. Peut-être que j'en referai et que je serai un peu mieux entraînée. C'est vrai que je suis assez... Je prends mon temps quand je construis. Et là, je vois que j'ai clairement pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, à laisser un petit message. À vous foutre de moi avec cette superbe toit. De toute façon, je vais la partager telle qu'elle. Donc, à vous d'en faire ce que vous voulez. Si vous voulez la relooker, c'est super aussi. N'hésitez pas à m'envoyer, du coup, je sais pas, des photos. Peut-être sur Twitter. Je pourrais voir ça plus facilement sur Twitter si vous m'avez sur Twitter. C'est dans la description. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un autre challenge ou d'autres choses. Allez, salut!